Dans les fantômes, qu'est-ce qui peut... Voilà, fantôme. Alors, un fantôme peut posséder les vivants. Ah bah ça m'arrange pas. Le plus souvent invoqué par une planche de Ouija. J'ai pas de planche de Ouija, c'est dommage. Il induit également la peur chez ceux qui l'entourent. D'accord, force unique. Regarder un fantôme diminuera considérablement votre santé mentale. Donc il faut que j'évite de le regarder. Prendre une photo du fantôme le fera temporairement disparaître. Ok. Donc il faut que je regarde si j'arrive à capter un EMF niveau 5. Si c'est le cas, j'aurai sans doute toutes les preuves pour dire que c'est un fantôme. Donc on nous a dit aussi un Yurei. Si c'est un Yurei, qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'il me tue? Alors le fait d'utiliser un bâton d'encens dans la salle du Yurei l'empêchera de se promener longtemps dans les lieux. D'accord. Alors les Yurei sont connus pour avoir un effet plus fort sur la santé mentale des gens. Ok. Donc pour voir si c'est lui, là il me manque plus qu'à mettre le livre d'écriture fantomatique. Et donc on a dit un cauchemar, sinon cauchemar c'est là. Alors un cauchemar aura une chance accrue d'attaquer dans l'obscurité. Ok, d'accord, donc on va éviter d'être trop dans le noir. Allumer les lumières autour du cauchemar réduira ses chances d'attaquer. Ok, et ça on pourra le voir à la Spirit Box. Bon, je crois que je suis sur Windows 7, donc je pense que la Spirit Box il va pas trop marcher. Bon, on pourra tenter, on va voir. D'accord, bon, bah ce que je propose de voir c'est déjà si on arrive à avoir le MF niveau 5 pour avoir le fantôme, ou sinon prendre mettre les bâtons d'encens. Alors attends, le Yurei déjà, ah, je suis perdu. Ok, le Yurei. Écriture fantomatique, voilà, c'est ça plutôt. Donc on va déjà ramener le livre. Je vais donc poser ça, on va prendre le livre. Voilà, bon, ça sera mieux. Donc il est bien dans le... Ouais, il a bien disjoncté. Donc il est bien là. Hop, je vais juste me dépêcher de rallumer. Voilà. Parce que si c'est un cauchemar, j'ai pas trop envie qu'il m'attaque. J'ai pas pensé à regarder ma santé mentale, ce serait peut-être bien que je la regarde. Parce que je suis solo. Il n'y a personne qui peut me dire... J'aurais dû poser le livre aussi, c'est pas très grave. Je vais juste regarder rapidement ma santé mentale. Oula. Ah oui, ça lui a pas plu que j'ai redémarré l'électricité. Oh, on est bien, on est à 93. Ah, ça lui a vraiment pas plu qu'on ait redémarré, donc c'est peut-être un cauchemar au final, hein. Allez, on va tenter le livre. Je vais le poser en bas. Poser le livre en bas. Hop. Un petit coup de lag. C'est pas vraiment le bon moment, ça me fait un peu peur là. Ok. Donc le livre, je vais le poser ici. Un. Pourquoi je peux pas le poser? F. Normalement c'est... Voilà, bon, on va le mettre là. Comme ça, il sera à l'aise, hein, il pourra... Il pourrait écrire tranquillement. Et je vais peut-être allumer le bâton d'encens. Je pense qu'on n'aura même pas besoin d'essayer de lui parler. Ça c'est bon. Hop. Alors je sais pas comment ça fonctionne ce truc. Peut-être que je le pose et que je l'allume. Ensuite. Est-ce qu'il a écrit? Elisabeth, je peux sentir votre température glaciale, donc je sais que vous êtes avec moi. Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose sur le petit livre, peut-être? Sans doute. Elle va sans doute l'écrire. Je vais plutôt, avant de faire l'encens, mieux placer mon EMF. Ouais, je sais pas ce que je fais, hein, je suis désolé. Je sais pas ce que je veux. Allez, prends ça. Hop. On va le placer là. Normalement, je devrais l'avoir sur la caméra.
Elisabeth? Je vous veux pas de mal, je veux simplement savoir si vous êtes encore dans cette maison et discuter, pourquoi pas, avec vous. Vous pouvez m'écrire quelque chose sur le livre ou agir avec l'appareil qui est juste sur le petit tapis là. Bon, ça a pas l'air de lui faire grand-chose. Donc de toute façon, si le capteur ne marche pas, si l'écriture automatique ne marche pas, ça va sans doute être un Yurei. Ok, elle est dans les escaliers, je viens de l'entendre. Ok, je crois que... Non, c'est l'ombre, d'accord, tout va bien. Je vais mettre l'encens et on va voir si ça va l'exciter. Enfin, l'exciter, façon de parler, hein. Ah, le briquet, je pourrais pas l'atteindre d'ici. Hop. Ouais, toujours rien sur le livre. Donc je vais mettre l'encens. Comment ça marche? J'arrive pas à l'allumer. Putain. Je suis un handicapé ou quoi là? Comment j'allume? Bon. Y a un problème. Ah si, c'est bon. D'accord, c'est bon. C'est que je voyais pas que c'était allumé en fait. Elisabeth, vous êtes là? Ok, Elisabeth est là. Hop, on va fermer. Je suis protégé par mon crucifix normalement. Je vais le prendre en main. On sait jamais. Et je vais peut-être retourner en bas, voir ce qui s'est passé. Donc elle peut m'entendre, je suis fixé au moins, j'étais pas sûr. Ok. C'est moi, tout va bien. Ah, j'ai entendu des bruits. Je suis pas serein parce que je sais pas s'il est agressif ou pas. A priori. Ok, bon. Vous savez quoi? Je vais pas prendre plus de risques que ça. Je vais juste regarder dans la caméra si je vois pas quelque chose de suspect. Bon, si l'encens, ça l'a excité comme ça, je pense que c'est plutôt un Yurei. Je capte pas spécialement grand-chose avec le capteur EMF. J'ai pas d'écriture automatique. J'ai rien de tout ça. Donc ça va être avec la Talkbox, je pense. Non, c'est bon, je suis vide. Je vais juste regarder ma caméra. Non, c'est la souris. Donc là, on a bien le bâton d'encens. Ah mince, je vois pas le capteur. Faudrait que je me replace un peu mieux. Ok, bon. Ça, c'est quoi? Ah, et elle a rallumé la lumière. Ou elle l'a éteint? C'est vachement lumineux. Je sais pas. Peut-être un bug. Donc ça c'est bon. Faut que je prenne une photo du fantôme, du coup, et une photo de l'eau sale dans un évier. Je vais peut-être allumer le robinet, mais il me semblait que là, une fois je l'avais fait et j'avais pas besoin d'allumer le robinet. Elle le faisait tout seul. Si je peux... Non, je pourrais pas. Bon allez, on va faire une séance de Spirit Ghost. Je vais attendre un petit peu avec la Spirit Box parce que parfois j'entends les ondes et je suis pas sûr que ce soit forcément la voix du fantôme. Je pense que je capte les ondes radio aussi. Bon, on va voir. Elisabeth, vous pouvez me dire quelque chose? Vous pouvez parler? Je reste pas trop loin de la sortie. Vous êtes là, Elisabeth? Vous m'entendez? Vous pouvez parler avec moi?